ça leur embouchera un coin. Aymeric, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce magazine Spray? Non. Bon, d'accord, merci. C'est un magazine de style, de tendance. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Renaud, si t'es là, on enchaîne. J'entre, je filme même. Ah, c'est marrant, parce qu'hier, je regardais les petites considérations. Bonjour, bien voilà, comme ça, je me suis dit, tiens, on va, ça sera, voilà, les scoops de BFM, les coulisses de Good Luxe. Attends, Karine Verniolle, Big Star, tu vas bien. Non, je l'aime, moi. Vas-y, c'est toi qui l'avais sorti. Donc c'est la dernière émission, vous avez fait le dernier quart d'heure en fait, c'est comme au cinéma, on monte, on fait tout à l'envers. BFM Business, Goût de Luxe, Emmanuel Rubin, Karine Verniolle. Des goûts de luxe de collectionneurs de voitures ou de voitures de course cette semaine. Renaud Roubaudy, notre chauffeur de luxe, est toujours avec nous. Et également Mathieu Lamour, directeur Arcurial Motor Cars. Votre job, c'est de chercher les voitures de collection, puis de les revendre. En vente aux enchères, bien sûr. Et de voir ce qui existe sur le marché. Alors, on va peut-être commencer une question un petit peu là, justement. Aujourd'hui, comment se porte ce marché? On est quand même sur BFM Business, je ne vous montre pas tous les chiffres, mais un petit peu, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a toujours de l'attrait? Alors, c'est un marché qui, effectivement, attire les collectionneurs du monde entier de plus en plus. Et on peut dire que l'automobile de collection est un placement sûr, très sûr, puisque si on regarde les prix en 10 ans, une voiture, une Lamborghini Mura par exemple, qui valait 800 000 francs à l'époque, donc l'équivalent de 120 000 euros aujourd'hui, se vend 800 à 1 million d'euros. Ah, c'est pire que l'immobilier, quoi. Voilà, exactement, c'est quasiment comme l'immobilier. Et on commence à voir arriver les Russes. Les Chinois ne sont pas encore là, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore la culture. Ils ont été privés de toute cette, de tous ces rêves roulants pendant des années. Mathieu lui prône un investissement, cela. Mathieu prône que l'on roule tous les jours avec une ancienne, même pas forcément une voiture d'exception. Hein, tu roules, je crois, avec une Jaguar Break, non? Jaguar Break, effectivement. Ouais. Mais ce matin, je suis venu avec une vieille Bentley de 1971. Bon, bah, je repars avec vous. Non, parce que là, j'ai vu sur le périph et je pense qu'on est en train d'embarquer. Elle est en panne, en fait. Ça vaut rien. Ça vaut 10 000 euros. Pour 10 000 euros, vous vous offrez une Bentley aujourd'hui. Ça, c'est un vrai. C'est bon, ça. Ah ouais. Ouais, donc c'est pas du bluff quand tu dis tu roules en ancienne avec ça tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, ma Jaguar est en restauration, en fait, elle va bientôt sortir d'ailleurs. Oh, il y a un chien derrière. Il y a le chien anglais aussi. C'est Colombo. Mais c'est vraiment, j'adore, c'est comme dans les films. Ouais. J'aime ta cohérence. Il y a deux ans, j'avais trouvé une voiture incroyable. C'était une Hotchkiss. Carrosserie spéciale, cabriolet, enfin bon, extraordinaire, qui était là depuis 50 ans, dans une grange. Et grâce à un pompiste. J'étais en province sur les routes, tu vois, sur une petite route, une départementale, je craque, j'avais besoin de l'essence, je m'arrête, je pose la question au type, vous ne connaîtriez pas des voitures de collection quelque part? J'ai toujours fait ça, depuis toujours. Et puis là, ça a marché, j'ai rencontré la dame, et puis voilà, elle avait passé son permis de conduire au volant de cette voiture. De toute façon, la France a toujours été le grenier de l'Europe. Et à tout point de vue, même un automobile, mais les automobiles, les belles automobiles, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles sont toutes parties, tu vois. Non, c'est cool, c'est fabuleux. Hein. Mais génial, c'est miroir. Regarde. Ouais, non, mais ça, je te filmais tes doigts, justement. C'est une ballerine, tu conduis ça avec deux doigts. C'est fabuleux, c'est une voiture qui est assez lourde pourtant, mais on est vraiment dans un salon. L'avenir de la collection n'est que dans la pièce maîtresse, ou est-ce qu'aujourd'hui, le marché, il est justement dans. Collectionner écoute, une Lotus Esprit ou machin. Dans mes ventes, tu trouveras toujours des voitures pour tous les goûts et tous les budgets. Tu sais, si j'avais passé mon temps depuis 15 ans à raconter des histoires aux acheteurs, je ne serais plus dans mes ventes.